où on a eu des intervenants venant de pays différents, l'Oregon, aux États-Unis ou aux Pays-Bas et au Québec, où le droit de mourir est permis. Donc, voir comment se sont développées les juridictions, comment se sont développées les actions sociales, comment c'était pris en charge dans tous les points de vue. Et la comparaison aussi avec l'Italie, qui a à peu près la même législation qu'en France, sur le non-droit de choisir sa mort. Donc ça, c'était intéressant. Et le côté médical aussi des maladies réfractaires, qu'est-ce que ça impliquait, quel était le suivi des malades, les rapports entre les soignants et le malade, et mettre le malade au centre des soins. Il y avait un psychiatre de voir que le psychique était aussi très important et que ça pouvait impacter la vie. Et bon, on sait que ça, les tendances suicidaires des personnes, c'est un mal vivre. Donc comment on pouvait l'appréhender dans le cadre de fin de vie et des soins à donner à ce moment-là. Après, nous avons eu comme une discussion sur les moyens. Et là, alors j'avoue que ça illustrait vraiment le manque de moyens qui est donné à ce secteur de la médecine, qui est déjà en mauvais état par ailleurs. Et la recherche, alors on n'en parle plus. Selon les groupes, il y a quand même un consensus sur les problématiques, que ce soit le soin, le développement des soins palliatifs, comment ils peuvent être intégrés dans l'autre soin, intégrés dans la vie de famille. Cette partie-là était quand même très intéressante à suivre et de voir comment il y avait quand même certains points de consensus entre tout le monde, même s'il y avait des différences dans certaines parties. Ce qui m'a frappé le plus, c'est dans toutes les propositions, c'est de mettre vraiment le malade au centre des préoccupations. Que ce soit la maladie, l'évolution de la maladie, comment il pouvait être encadré du point de vue médical, mais aussi ceux qui l'encadraient, c'est-à-dire l'aide aux aidants, l'aide aussi au personnel médical, parce que lui aussi, il a besoin d'être aidé psychologiquement, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Beaucoup de confrontations, il y a beaucoup plus de discussions entre nous qu'il y en avait, puisque en fait, c'est enrichi par tout ce qui nous est apporté par les personnes qui viennent de l'extérieur. Donc on a d'autres arguments pour étayer nos convictions.